toi, ta daronne, alors, je la secoue comme ça. Tu vois, ça, c'est ta daronne, ça. C'est comment je vais la secouer ce soir. Arrête. Arrête de rigoler, je suis obligé de la secouer. Je suis obligé de te parler mal, je suis obligé de te frapper. Là, tu sais que tu viens de me faire perdre 1 million. Oh, ce joueur de foot de merde, là, j'allais le ruiner. J'allais le ruiner. J'allais vraiment, vraiment le ruiner. Il allait plus avoir 1 euro. Rigole pas. Rigole pas, tu vas m'énerver à cause de toi, là. Là, ça y est, on était millionnaire, là. Là, on était millionnaire. Là, normalement, je suis à Miami. Arrête de rigoler, là, je t'ai raté. Arrête de rigoler. Mais dis-toi que c'est pas grave, Karim, parce que ce soir, il y a Bruce Lee, à 20h50. Ça fait longtemps qu'il n'est pas passé. Il y a Bruce Lee ? Ouais. En vrai ? Ouais. À quelle heure ? 20h50. Pourquoi tu aimes pas Bruce Lee ? Je m'en bats les couilles de Bruce Lee, c'est ça que tu sais pas. C'est que moi, je m'en bats les couilles de Bruce Lee. Là, j'allais être millionnaire, espèce de fils de chien. Maintenant, il faut qu'on se trouve un travail comme des mecs honnêtes. Alors que là, on était parti pour vivre à Miami. Moi, ça y est, mon beau-père, il m'a trouvé un travail. Il va trouver un travail ? Ouais, hier, j'ai parlé avec lui. Il m'a dit, oui, de toute façon, là, on va repartir sur des bases bonnes, je sais pas quoi. J'ai pas trop appris. Il m'a dit des mots qui... Là, il essaie de m'embrouiller un peu. J'ai dit, oui, effectivement, monsieur, on va travailler. Là, il arrive. Là, tu as un travail, là. Ça y est, dans un snack. Hey, Cole, genre... Dans un snack. Là, tu vas travailler ? Ouais, là, maintenant, il arrive. Qu'est-ce que t'as ? Non, rien, frère. Tu es bizarre un peu, frère. Quoi ? Là, ça y est, c'est... Ah, je suis content pour toi, voilà. Bah oui, c'est mon père qui m'a trouvé. Tu as vu, c'est la bombe. C'est la bombe. Mais crois pas, hein. C'est un gros vicieux, ton beau-père. Hein. Je te dis pas ça parce que tu as du travail. Moi, si je veux, m'en bats les couilles, ton travail de snack, frère. Tout dans des snacks, tu crois. Je travaille dans un snack, mon frère. Si je veux, demain, j'en ai 15 de travail comme ça. Je te dis ça parce que, en fait, il fait ça, lui. Comme ça, au moins, toi, tu assumes le bébé, c'est pas lui qui l'assume. Ah ouais. Ouais. T'as compris ou pas ? Comme ça, au moins, toi, tu as des sous pour assumer le petit et lui, il l'assume pas. T'as vu comment c'est une pute ? Eh ouais, c'est vrai. En plus de ça, on est les meilleurs copains. Il le sait, moi, il me trouve pas du travail. Oh, tu sais quoi, ramène-le-moi, ton beau-père. Je l'encule, ton beau-père. Je le prends dans un bloc. Il dure pas une seconde, frère. T'as vu Bruce Lee ? Il est là en plus. Mais quand même, il est gentil un peu. Moi, je l'aime bien. Ça fait que. Je vais aller le baiser sa mère. Arrête. Laisse, Karim. Non. Je vais aller le baiser. Reste gentil avec lui quand même. Il t'a trouvé un travail. Et parle pas trop de ce que je viens de te dire. Alors, tonton, oh. Ça va ou quoi ? Moi, tu me... Oh, travaille bien, toi. Oh, tonton, je voulais te reprocher quelques petits trucs, vite fait. Il y a 2-3 petits trucs qui m'ont pas plu, donc on va les mettre sur table. Pourquoi tu fais travailler le beau-fils et pas moi ? Ça, c'est pas bien. C'est parce que quoi ? Tu le connais un peu plus que moi, c'est ça ? Parce qu'il sort avec ta fille. Moi, je suis un mec tarpin bien, tu veux pas me faire travailler ? Moi, je pense hein, que c'est ça. Tu veux pas que je m'en sorte, c'est ça ? Ouais. Ben ça va, après, voilà, là, en ce moment, je travaille en mode réglo. Après, voilà, faudra pas s'étonner si je me remets dans le grand banditisme. Hein. Toi, dans le grand banditisme, tiens un trou du cul, je vais ton dossier, tiens une trompette, fini. Ouais, mais ça, c'était avant le rap. C'était avant que les mecs dans la street, ils me surnomment K-A-R-I-M. Ouais. Renseigne-toi bien, demande à Nordine. Ouais. Nordine, moi, je l'ai enculé plus d'une fois, devant plein de monde. Ouais. Écoute, moi je veux juste payer mes séances d'enregistrement. Si tu veux me faire travailler à l'occasion, cherche-moi un truc, tonton, s'il te plaît. Je sais que je travaille, je bosse. Fais-moi écouter un peu ce que tu fais. Tu veux écouter ? Écoute. Mon rap, il est hardcore, pas trop vulgaire, sauf si je te croise à la mer, siroter un verre avec ma mère, la chose en sûre que je vais te baiser ta mère, ainsi que ta grand-mère et ta petite sœur et les petites nièces, tout, les petits frères, je m'en bats les couilles. Oh, attends. Pas très... Ça va, ça passe quand même. Non ? Pas terrible. Nordine, il aime bien quand je le rappelle en cellule. Nordine, pas vrai, tu te régalais quand je te rappelle en cellule ? Non. Et voilà. Mais là, je t'explique, je l'ai pas bien fini, c'est pour ça la fin, c'est pas trop bien la fin. Normalement, dis-toi que c'est un disque d'or. Ça, c'est un disque d'or.
Et c'est un son, tu sais, c'est un son d'été. Tu vois ce que je veux te dire, il est pas vulgaire. Ça parle à tout le monde, aux mères, aux grand-mères, aux petits jeunes. Tu vois ce que je veux te dire, c'est, et même aux gens qui sont pas trop vulgaires. Tout le monde aime bien ce genre de son, toi. Familial. Ça tout dit, familial. Tiens un don. C'est un son familial. Ça, c'est un son familial, ouais. Là, normalement, je vais voir pour faire un petit featuring avec un rappeur américain pour faire le refrain. Il y a, en fait, là, je les ai vus tout à l'heure, on m'a dit, ils ont bloqué tout avec la préfecture, il y a des rappeurs américains. Qui est des rappeurs américains? L'autre, le rappeur américain, le costaud, là, comment il s'appelle, là, qui s'est pris des cartouches. 50 Cent? Lui, ouais. Lui, oui, ouais, il est là. Il est là avec un autre. Ils sont un maigre? Ouais. Tupac. Ouais, c'est ça. Ouais. Ma mère, Tupac. Et normalement, c'est à Tupac, tu sais, il y a qui avec eux? Il y a Biggie. Mais ils sont. Quoi, ils sont tous là, ils sont à Marseille là. Ouais, là, juste à côté, Fonce. Ouais, à la Capelette, là-bas. Vas-y. Voilà. J'aurais dit que c'est sa mère, elle serait allée. C'est un trou du cul. Pourquoi? Il m'a cru. Quoi, il n'y a pas les trois? Pas la Roscoe? Non. Bon, excusez-moi, ce matin, j'étais un peu à la bourre. Donc, je suis désolé, Nono, parce que j'ai passé à l'évêché. Il a voulu me dire bonjour. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu vas être père de famille, je suis avec mon fils qui a 12 ans. Qu'est-ce que tu fais là? Putain. Bon, écoute, c'est ton premier jour de travail. C'est lui, rigole, hein. Putain, ferme ta gueule. Bon, écoute-moi, c'est ton premier jour de travail, je retiens pas intérêt à déconner, d'accord? Le mec, je le connais. Hein, il me fait confiance. Écoute, on va se calmer, on va repartir sur de bonnes bases, d'accord? Voilà, maintenant tu fais partie de ma famille. Hein, tu vas être le père de mon petit-fils. Hein, je vais essayer d'être un peu plus, tu vois. Et puis, hein, au fait, pour les bracelets, je vais voir la juge, là, toi et Karim, je vais voir un peu ce que je peux faire, d'accord? Et toi? Je suis en train de parler, me dis où? Oh, mais tu pars où, là, moi? C'est bon, excuse-moi, je vais arrêter de... Ma parole, voilà, je vais arrêter de te frapper. En fait, je peux pas dire, voilà, c'est pas possible. On va se calmer, tu vas devenir un homme, tu vas devenir quelqu'un. Oh, il faut juste que tu arrêtes de faire le con. Arrête de faire le con. Dis-toi à ton goulin d'arrêter de faire le con. Arrête de faire le con, tu es une fille, tu vois pas. Hein? On fait comme ça. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, la vérité, j'en pense que je m'en bats les couilles que de bien m'entendre avec toi. C'est pas que je nique ta fille que ça y est, je vais... Nique-moi ta mère de là! Comme et pour le travail, je vais aller comment? À pied. Ah ouais? Bon, toi déjà, la vie de ma mère, parle plus avec moi, supprime mon numéro, cache-cache et tout. Fini. Ah ouais. Rigole pas, supprime mon numéro. Et à partir d'aujourd'hui, si j'ai envie de niquer Stéphanie dans le salon, eh ben je nique Stéphanie dans le salon. Escalope pour toi, madame. Merci. De rien. Et pour toi, c'est steak frites. Merci. Bon. Mais il n'y a pas de steak dans mon steak frites. Mais... Moi, j'ai fermé ta gueule, gros. Tu vas pas me casser les couilles, non? J'ai 14 ans, j'ai rien vu de la vie. Moi, ça fait 20 ans que je fais ça. J'ai travaillé, moi, à faire. Quoi? Je comprends pas la vie. Papa, c'est vrai que maman t'a quitté parce que tu bandes plus. Qu'est-ce que t'as dit, ce connerie? Non. Bonjour, c'est ici qu'on commande? Eh ouais, c'est ici qu'on commande. Tu crois qu'on est là pour baiser? Et encore heureux que ça commande ici. Bon, moi je veux une pizza au fromage, s'il te plaît. Et toi, tu veux quoi? Alors, moi je voudrais un hamburger escalope, sauce blanche, avec ketchup, de la sauce harissa. Ouais. Et du râpé. Supplément frites, la sauce tomate, un Sprite, un Fanta citron, un Coca zéro et un tiramisu au caramel. Putain, à ce prix-là, j'espère que tu vas la prendre par tous les trous ce soir, mon pote, parce qu'elle consomme cette salope, je te dis la vérité. Mais reviens, je t'emboucane. Ah, je rigole, mon frère. Ah, je rigole. Mais reviens. Mais qu'est-ce que tu te vexes? Eh ben, va te faire enculer. Tu veux quoi? Je te suce pour que tu commandes, fils de pute. Il est en train de me pourrir, ma famille. Je vais te dire un truc, mon fils. Nono, c'est un débile profond. À la maternelle, ils l'ont jeté parce qu'il sait même pas faire la sieste. Eh ouais.
Mais papa, tu sais, même si c'est vrai, il y a des médicaments pour ça. Et pour moi ou pour Nono? Ah, pour toi. Ah. Excusez-moi, vous avez oublié de mettre du sel dans les frites. Tu m'as dit escalope frites? Oui. Tu m'as pas dit escalope frites sel? Faut préciser. Écoute, en fait, ce que je t'explique depuis tout à l'heure, tu sais quoi? Vas-y, dégage, tu m'as gonflé. Ha, je savais que t'étais comme ça, tu feras rien, comme père. Et quand, Nono, hein? Il n'est que Stéphanie, tu lui dis rien, hein? Tout le temps, moi. Même lui, dit niquer. Oh, Nono. 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 Y'a pas escalope, je te dis, frère. Putain. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles qu'il n'y a pas escalope? Tu es sérieux? Tu m'as pris pour un client? Qu'est-ce que j'ai une tête à vouloir manger des escalopes? Ah, j'ai trouvé une solution pour faire des sous, gros. Une méchante solution. Écoute bien, parce que je vais pas répéter 36 000 fois. Écoute. La prime à la naissance, elle permet de faire face aux premières dépenses liées à l'arrivée de votre enfant. Elle vous est aussi versée pour chaque enfant né. Mmh. Alors, qu'est-ce que tu en penses, gros? T'as compris? Mmh. Compris? Mmh. C'est sûr? Ça veut dire quoi? Ce que je viens de dire, en gros? La vérité, j'ai pas compris. Eh ouais, je le savais que tu avais pas compris. Pourquoi tu me prends pour un con? Pourquoi tu me dis que tu as compris? Bon, en gros, ça veut dire que ton fils de pute, là, qui va arriver, tu vois, ton petit, il peut toucher plein de sous. Mais il est pas là encore. Ouais, mais tu peux commencer à toucher des sous pour quand il arrive. Mais nous, on s'en bat les couilles vu qu'il est pas là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va acheter des habits. Mais je te préviens, je vais toucher 90%, frère. Hein, parce que c'est moi qui a trouvé le plan, je me bats les couilles. Moi, c'est pas à me dire. Ça te va, 90%, c'est bon? Ouais. Et c'est quoi? Ouais. Maintenant. Ah non, le snack, moi, je laisse pas. C'est l'entreprise. Je ferme pas l'entreprise. Ça va, qu'est-ce que tu t'en bats les couilles du snack? On dirait que c'est le snack à ton père, qu'est-ce que tu me rends fou là? Va niquer, c'est mort le snack, là je te parle de gros sous, frère. Tu vas faire quoi? Tu vas travailler toute ta vie à faire des salades, des tomates? Travaille, fais un lit de crasseux comme ombre et du fais-le, je le fais pas. Allez, viens, on y va. Allez, lève-toi, je t'ai dit. Laisse ouvert, t'en bats les couilles. Alors, logiquement, messieurs, d'après ce que je vois là à l'instant, les conditions générales disent que le dossier doit être déposé avant la troisième semaine de grossesse. Or, vous me dites que votre femme en est à sa cinquième, c'est ça? Effectivement, elle en est à sa cinquième, mais c'est pas un peu tard, hein, parce qu'il y en a plein qui ont... Genre, c'est 9 mois, le bébé. Après 5 et 6. Tu peux monter de plus en plus. La cinquième, huitième, jusqu'à qu'elle accouche, quoi. Juste à l'huitième. Au-delà de 9 mois? 9, 10. Ça dépend. Mais c'est pas ça le truc, c'est que c'est ma femme. Pourquoi c'est toi, c'est lui à qui tu parles? Ferme ta gueule, parce qu'il parle à mort, parce que c'est moi qui s'occupe du couple. Vous êtes le manager, c'est ça? Voilà, lui c'est le producteur. Moi, vous êtes artiste alors, c'est ça? Ouais. Faites quoi dans la vie? Je travaille au snack. Excellent, c'est un groupe de musique, c'est ça? Non, c'est un groupe de avec des steaks frites. De la musique avec des... Faites des sandwichs, monsieur. Des sandwichs. Ah. Si vous voulez venir manger, vous m'appelez, je vous laisse mon numéro. Très bien, excellent. Donc ok, très bien. Bah écoutez, vous avez de la chance de tomber sur moi, messieurs. Parce que figurez-vous qu'avec ma fille Mathilda, il y a 3 ans, c'est arrivé à la même chose. Mathilda, c'est joli prénom. Ouais, j'aime bien Mathilda. Ouais, merci. J'aime bien Mathilda. Moi, j'aime bien Mathilda. Ouais, moi aussi, j'aime bien, ça tombe bien, les trois. Voilà, c'est chose, ça arrive pas. Effectivement, c'est des choses qui arrivent très récemment. Comment? C'est des choses qui arrivent très récemment, c'est vrai, c'est beaucoup, tu vois, c'est récemment, c'est comme ça, tu comprends pas, genre ça fait partie du langage français, du bon français. Récemment. Récemment, ça veut dire souvent. Ok. Hein? Je comprends pas. Trop bien. Excellent. Donc je vous disais, monsieur, donc c'est votre femme, donc je vais m'adresser à vous, ça sera plus utile et plus intéressant. Donc monsieur, Mathilda, ma fille, il y a 3 ans, elle est tombée sur un monsieur, avec qui elle a eu une petite aventure, non halal comme vous dites.
Elle est tombée enceinte. Complication, ça, tout ça, tu sais. Elle avait un mari en plus qui la faisait un petit peu chier, il buvait, etc. C'était un peu compliqué pour elle. Elle est partie ensuite voir ailleurs. Lui aussi est parti voir ailleurs. Ouais. Elle avait mal au dos. Ça faisait 4 mois qu'elle était enceinte. Elle avait mal au dos. À la chatte aussi, ça fait mal. Beaucoup à la chatte aussi. Au dos. Et entre le coup de rein et le bébé qui sort, ça doit faire des grandes douleurs dans la chatte. Elle avait mal au dos. Elle a mal au dos, donc elle est partie voir un kinésithérapeute. C'est le dos seulement, donc tout allait bien par rapport au reste. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, elle devait faire la chambre du pied aussi, parallèlement à ça. Elle a pas de mari, elle est seule, hein, donc elle pouvait compter que sur moi. Qu'est-ce qui se passe? Elle a d'autres priorités dans la vie. Elle a pas le temps de déposer un dossier à la CAF, c'est pas ses priorités, tu comprends? Voilà, c'est comme monsieur, ça. Monsieur, ce que toi, tu comprends pas, oui. C'est que t'as vu, nous. Oui. Ben, on s'en bat les couilles de Mathilda, de ta fille, de ces histoires de foufoune. Tu vois ce que je veux te dire? Nous, on est là pour les sous, carrément. Comme tu le dis. Pardon? Là, c'est une grosse gueule. Qu'est-ce qu'il veut dire en fait? C'est que genre, il veut un peu toucher des sous pour son fils. Alors, on peut revenir. Toi, je vais te niquer ta mère. Au-delà du dossier délai, messieurs, j'aimerais savoir comment est-ce que vous avez procédé au déroulement pour en arriver à. Ah, le déroulement? Ben, comme tous les couples, hein, Stéphanie, elle était à quatre pattes parce que c'est la position préférée des jeunes. Et moi, j'étais debout comme ça derrière elle et je la prenais, tu sais, je la cassais comme ça. Je la cassais. Encore, mais la cinquième, encore. Ah oui, elle a dit plus vite. Oui, elle a dit plus vite, Nono. Plus vite, Nono. Le matériel, hein. Le matériel. Tu dois défoncer. Vous faites attention. Et en fait, c'est juste pour vous dire que c'est comme ça qu'on a eu le bébé. À mon avis, Mathilda aussi, elle a dû l'avoir comme ça. Dehors. Parce qu'elle a mal au... Et les sous de la cave. Dehors, s'il vous plaît. Oh, on va te faire reculer. Tu parles pas de détail, je t'en prie. Oh. Excusez-moi, en fait, c'est juste pour vous dire que on est vraiment désolé, on n'a pas compris quand vous nous avez dit. Quand vous nous avez dit comment vous avez procédé. Nous, on s'est embrouillé avec le dossier d'expert. Elle va niquer ta mère, qu'est-ce que je m'en bats les couilles, t'es sous, tu sais quoi? Mets-toi les dans le cul, moi je vais travailler dans mon sac. Ça va, tu nettoies bien. Hein. T'as fait des cours de nettoyage? Tu vas venir nettoyer chez moi, gros. C'est bon, j'ai fini, gros. Non, finalement, laisse tomber, gros. Là, tu vas pas venir nettoyer chez moi. On y va, frérot? Ouais, on y va. T'entends? Ouais, c'est, ouais, c'est Nono. C'est juste pour te dire que t'as vu tout à l'heure, il y a une fille, elle est venue commander au snack. Et elle m'a dit escalope frites. Et je lui ai dit, et à la fin, elle m'a dit oui, il n'y a pas de sel. Mais moi, elle m'avait pas dit escalope frites sel. Laisse-moi dormir, s'il te plaît. Vas-y, mais c'est pour savoir de sel, si mais... toi, tu m'aurais dit escalope frites sel ou tu m'aurais dit escalope frites. Parce que là, peut-être c'est moi. Mais ce que tu veux, dis-moi. Ce que tu veux. À demain. Putain de merde, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, ça existe pas des gens comme ça, c'est pas possible. Ouais, Nono. Karim et moi, on est très très en colère. On va aller voir le mec du snack demain et on va lui baiser sa mère parce qu'il m'a pas payé, tonton. C'est à la fin du mois qu'on te paye, Nono, à la fin du mois, trop du cul. Au fait, tonton, dis la vérité. Tu dormais ou tu étais en train de défoncer ta petite femme? Va te faire enculer, Nono, s'il te plaît, laisse-moi dormir, ma tête. Ça va, je rigole, allez, je te laisse dormir. Bisous, bisous. Bisous. On va te faire voir, moi je vais te montrer. Bisous. Voilà, je vais te montrer. Après ton patron. Après le patron. Allô, Damien, ouais, je suis désolé, voilà, désolé, je te réveille maintenant, mais c'est pour Nono. Ouais. Tu peux le virer, s'il te plaît. Ah, tu comptes le virer déjà? D'accord, c'est bien. Allez, bonne nuit.
2. J'en ai 1 sur 2 première. Des noms. C'est la famille. Moi aussi. Putain. Qu'est-ce que t'as ? Rien frère, je suis content. Attends. Qu'est-ce que t'as ? Rien frère, je suis content. Qu'est-ce que t'as ? Non, je suis content, voilà. Qu'est-ce que ça ? Karim, première. Allez. Un corps freestyle, allez, mes fesses, action. C'est bon. Je suis sûr que je vais découper, je vais te baiser ta mère. Ok. J'ai envie de pleurer presque. Je vais faire une, je pleure. Allez. Tiens, n'oublie pas ton. J'ai raté la marche arrière. Vas-y. La vie de ma mère partait avec moi, j'ai pris mon numéro cache-cache et tout. Fini. Et. Quoi ? Et j'ai perdu le texte. Papa, c'est vrai que maman t'a quitté parce que tu bandes plus. C'est du coup, c'est minuit, rigole. On l'a refait. Oh non, non ! Mais y'a pas de steak dans mon steak frites. What ? Mais ferme ta gueule. Les dégâts saison 3, 7, 7 sur 3 premières. Danse. Et... Oh. Les dégâts, scène 16 sur une première. Personne ne l'appelle ? J'ai oublié. Il y a quelque chose qui doit s'exprimer.